Bourhara a été fondée il y a 2500 ans. Par le passé, de nombreuses caravanes y faisaient étape sur la route de la soie. La légende d'une oasis magique entre deux déserts se propageait alors jusqu'en Inde et en Chine. Aujourd'hui, la cité reste fascinante pour bon nombre de voyageurs. Depuis Marco Polo, Bourhara, comme Samarcande, autre ville mythique d'Ouzbékistan, nourrit l'imaginaire. Il y a ces innombrables monuments, mais aussi ces marchands qui accueillent encore les visiteurs sous les anciennes coupoles et dans leurs rues alentour, avec un talent inégalé pour les langues étrangères. S'il vous plaît, madame, soyez local, s'il vous plaît. Tchuss. Tchuss. On peut encore sentir cette atmosphère qui remonte à l'époque où l'ancienne cité était un centre économique majeur. Aujourd'hui encore, sous ces coupoles, on vend des marchandises qui étaient acheminées ici il y a des centaines d'années et des produits locaux fabriqués à la main. Ancienne cité islamique, la ville a conservé des vestiges de cette époque, dont le minaret de Kalan datant du XIe siècle. Grâce à une torche allumée en son sommet, il guidait les caravanes vers la ville. Autre chef-d'œuvre de la période pré-mongole, le mausolée d'Ismail Samani, édifié au Xe siècle. Ses façades présentent des jeux de lumière et de couleurs qui varient en fonction de la météo, un effet qui s'explique d'après les spécialistes par la disposition des briques. L'architecte qui a réalisé ce mausolée a fait poser les briques de 18 manières différentes. Quand on regarde le bâtiment de près, on se rend compte que sur chaque façade, il y a 10 fenêtres dont la décoration est spécifique. Les briques sont disposées différemment, donc aucune fenêtre ne se ressemble. Dans cette ville aux 365 mosquées, 140 sites ont été classés au patrimoine de l'humanité. Le plus grand représentant de la médecine arabe, Avicenne, est né non loin d'ici, du temps des Samanides. Il se rendait souvent dans la résidence des émirs, la citadelle Arc, qui a été plusieurs fois détruite. À l'âge de 17 ans, Avicenne a guéri un émir dont la mort semblait certaine. Le médecin a refusé l'or qu'on lui offrait pour le récompenser. Il a demandé un libre accès à la bibliothèque de la citadelle. Autre héritage du passé, le sens de l'hospitalité des Ouzbeks. Du temps de la route de la soie, plus de 60 caravansérails avaient été construits à Bourhara pour accueillir et répartir les voyageurs selon leur langue. Un invité, c'est comme un père. C'était comme ça dans les anciens temps et ce sera toujours comme ça. On reçoit les invités comme son propre père. Il y a des siècles, des danseurs prenaient aussi place dans les caravanes empruntant la route de la soie. À l'époque, les costumes devaient probablement ressembler à ces pièces confectionnées grâce à un savoir-faire ancestral. La broderie d'or, par exemple, a fait son apparition à Bourhara au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les fils sont en or et en soie. La fabrication d'un manteau traditionnel peut prendre jusqu'à 6 mois. Avant, mes enfants m'inspiraient. Maintenant, ce sont mes petits-enfants qui m'inspirent. Cette ville est aussi une source d'inspiration. Voici le mausolée de Naqshband, considéré comme le maître d'une confrérie soufie, une figure protectrice pour les artisans de la ville, qui cite souvent l'un de ses préceptes. Le bras doit être occupé par le travail, le cœur par Dieu. Ici, on est forgeron depuis 7 générations. Les méthodes de fabrication des célèbres couteaux de Bourhara sont enseignées de père en fils, dans l'espoir que jamais ne cessent les bruits de la forge. Il y a de la musique dans le travail d'un forgeron. Cette musique, c'est le rythme cardiaque. Si le savoir-faire artisanal est transmis en héritage, les secrets gastronomiques également, notamment sur ces plats offerts aux voyageurs du temps de la route de la soie. Dans notre prochaine édition, nous découvrirons comment cuisiner le fameux plov ouzbek.